Oui, je disais que le mariage, c'est quelque chose de très compliqué aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a le divorce. Donc, c'est malheureux dans l'Église en général et surtout parmi les hommes de Dieu en particulier. Ça devient invivable, quoi. D'accord. Préparez-vous alors. Préparez-vous pour le séminaire, oui. Ok. Non, ça va. Bonne soirée alors. Ok, je suis avec Hadja Aissatou Oumarou, dans Poulo. Adja Voilà, Hadja Aissatou. Donc, on a dit comment Goroïta. Et il y a aussi Adja Hadja Jemima tout. Jemima. Ah, Koko Yali Aminsam. Voilà, France 4. Alors, Jemima, qu'est-ce que tu dis à tout le monde ici? Attends d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Mets ta écouteur bourri. Et bah, on va dans mini pas de caddie. Qu'est-ce que tu dis? On dit quoi? Oui. Je les aime. Je les aime, bébé. Voilà. Ah, Jemima, on a dit juste bonsoir, Jemima. Arrête le discours improvisé, hein, bébé? Ok. Bon. Vraiment, Jemima. D'accord, ils sont connectés. Ils sont connectés. Donc, voilà, nous sommes en famille. Ça, c'est ma petite soeur. Ma petite soeur chérie. Hadja Aissatou Voilà, exact. Salam alaikum, Minhof Maintenant, les prophètes interprétés, on parle en langue. Non, là, les familles sacrées qui disent, voilà, la famille. Nimbeba Bakam Baba Garo à Ouseni. On a dit, on a dit. Annabi Isa Marie Baude. Voilà, Ban Makosam. Les prophètes interprétés. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui, bébé, c'est quoi? Je vous aime, connectez-vous, connectez-vous. Non, pas ça. Nous sommes en famille, la famille est sacrée. Donc, tiens. Va retourner. Donc, voilà, chers amis, par la grâce du Seigneur, nous sommes la famille, soyez en paix dans vos familles. Les guerres de famille, ah tu me dis que c'est les guerres familiales, ça ne sert à rien. Donc tout à l'heure, je tente de parler avec un de mes fils, à ce qui concerne le mariage, hein, Aissatou, papa. À la Pangane. Les mariages chrétiens, trop de divorces, trop de problèmes, trop de difficultés de plus en plus. Donc, ça amène même déjà à réfléchir sur le mariage. Les gens ont peur de se marier dans l'église. Et de surcroît, les hommes de Dieu encore ont tellement de problèmes dans leur foyer. Vérité, papa. Hein? Mais comme ça, tu ne filmes pas deux. Mais Horta. Donc, le mariage est un problème aujourd'hui. C'est compliqué, vraiment. Vrai, je ne sais pas pourquoi il y a autant de divorces, autant. Essayez, vous m'écoutez même. Pourquoi il y a autant de difficultés dans les foyers? Sur 10 foyers chrétiens, 9 ont les problèmes. Ah oui, ça c'est. Quand tu penses, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que les mariages ont des problèmes? Hadja Aissatou Oumarou, à vous la parole. Les mariages ont des problèmes parce qu'il n'y a pas l'entente, il n'y a pas le dialogue, papa. Oui. Le dialogue. Le couple, c'est le dialogue d'abord. La tolérance. Oui. Oui, pour moi, c'est ça le mariage. Et je voudrais dire aux gens, c'est ma petite soeur, c'est la dernière de notre maman, Aissatou Oumarou. Depuis que nous sommes nés, je suis son aîné, de 2 ans, d'Obili, d'accord. De 2 ans. C'est-à-dire, elle a 42 ans aujourd'hui. 42 encore. 44 mari. Donc elle a
Dubi chapan na et didi. Depuis que nous sommes nés, depuis qu'on est ensemble, elle ne m'a jamais manqué de respect. Approche un peu pour que les gens suivent bien. Okay. On doit faire, mamie. Depuis que nous sommes nés, depuis qu'on est enfant, là voici, elle ne m'a jamais manqué de respect. Et ça, je le dis devant elle. Quand je gronde, elle se tait. Même quand on était païen. Quand on était païen. Et une autre chose, c'est que je la fouettais. Jusqu'à 18 ans, je la fouettais. C'est quand elle a eu l'âge de 18 ans, parce qu'elle sautait souvent le mur, la puberté. Elle saute par la fenêtre, elle jette d'abord le sac. Après, elle saute, elle rattrape son sac. Donc, j'ai découvert. Un jour, j'ai dit à maman. Et quand elle est partie, on l'a attendue. Vers 4 heures du matin, elle a envoyé le pied. Maman et moi, on a attrapé son pied pour l'aider à bien entrer par la fenêtre dans sa chambre. Donc, elle a eu 18 ans, je lui ai dit que je ne peux plus te fouetter maintenant parce que tu es déjà majeur. Mm-hmm. Et depuis ce jour, j'ai pu mettre la main sur elle et on dialoguait, on discutait. Donc, et déjà, papa, oui. Je ne te coupe pas la parole. Mm-hmm. Tu m'as donné une bonne éducation. Mm-hmm. Je te remercie encore parce que tu as veillé sur moi en tant qu'un grand frère. Oui, ça... À ce moment, si tu me laissais, je devais me dérouter. Mm-hmm. Et je devais prendre une voie qui ne devait pas être bien. Mm-hmm. Mais je te remercie encore beaucoup. Parce que cette éducation, jusqu'à présent, je l'ai. Mm-hmm. C'est avec ça que je fonctionne. Parce que ce n'était pas ton éducation, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je devais être. Merci encore, grand frère. Tu te souviens d'Anne-Philippe. Quand elle disparaissait, elle disparaît un jour, deux jours. J'entrais maison par maison. Je toque, ouvrais. Tous les garçons de Anne-Philippe me connaissaient et avaient peur. Quand je toque, ouvrais. Essaie Aïcha, toi ici. Ouvrais là-bas, essaie Aïcha, toi là. Ouvrais ici, est-ce qu'Aïcha, toi là. Donc, je pense que. Et tu te souviens quand je t'avais brûlé. Les cheveux. Les cheveux. Les cheveux. Hein? Quand on était enfant, oui. J'ai brûlé ses cheveux. Mmh. Papa, tu m'as fait beaucoup de choses. Non, beaucoup de choses. Ça, je... Tu m'as fait souffrir. Je confesse. Donc, c'est ça que tu payes maintenant. C'est devenu que quand je dis je veux quelque chose, il rit seulement. Des fois, on lui donne la dîme ou l'offrande. On dit, papa, ça c'est ma connexion. Les dons. Les dons. Ok, les dons, pardon. Les dons. Les offrandes de connexion. Voilà, les offrandes de connexion. Quand on dépose ça, t'as même c'est 1 million. Quand il dit, papa, ça là c'est pour moi, il rit seulement. Je lui dis, ma richesse n'est pas pour toi. Mm-hmm. Parce que tu me dérangeais quand je n'avais pas. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, tu as plus que moi. Mm-hmm. Donc, ça veut dire, ma richesse dépasse pour toi. En fait, chez nous, il y a ce qu'on appelle Gadi. Gadi, là, ça veut dire les caprices du dernier né. Donc, parfois, on me donne des dons d'argent, des enveloppes. Elle vient trouver ça sur la table. Elle prend. Elle met dans son sac à main. Elle ne demande même pas, elle dit que ça, c'est ma part. Tu vas faire comment? C'est le Gadi. Donc, tu vas juste rire. Donc, j'ai brûlé ses cheveux. Pour ça, je ne peux pas me fâcher. Tout ce qu'elle peut faire. Tu m'as fait attraper le courant à Garoua. Voilà. Quand on avait ses conseillers, papa, il prend le clou, il met dans le trou de la prise. Il me dit, Aïcha, je dis oui, tu veux la viande? Parce que chez nous, quand on circoncit un garçon, on égorge le mouton, le poulet, les plantains frits, on te fait les petits trucs. Il me dit, tu veux le poulet? Je dis oui. Il dit, bon, va me retirer le clou qui est dans la prise là. Je suis allé pour retirer le clou dans la prise, ça m'a travaillé. Il se moquait de moi, lui, rien seulement. Je suis sorti en pleurant. Maman dit, c'est quoi? Il dit, c'est pas... C'est Bagaroua. Il m'a beaucoup fait souffrir. Le prix du poulet. Le prix du poulet. Donc, quand on était enfant, elle était favorisée. Maman est en train d'écouter. Et ça me faisait le monnaie. Hein? Pas de tout ça, non, ouais. Le monnaie, ça veut dire que j'avais son macabo. Ça, c'est une expression camerounaise. Donc, chaque fois qu'elle m'énerve, je veux la gronder. Maman me dit que tu ne la grondes pas. Je tape sur elle, on me tape aussi. Maman me tape. Et j'ai demandé à Dieu que je veux faire comment? Pour me venger. Un jour donc, j'étais en train de me promener, je la trouve en route, loin de la maison et loin de sa mère, en train de se chamailler avec une jeune femme. Et quand elle me voit, elle se dit, ah, voici mon grand frère, on va se mélanger à Dieu, on va taper la fille. Moi aussi, quand je la vois, je me souviens de toutes les fois où ma mère a pris son parti et qu'elle m'a énervé. Je voulais la fouetter, pas moyen. J'ai dit que l'Éternel n'oublie personne. L'Éternel sait comment venger les innocents. Alors je prends la terre. À l'époque, quand deux enfants voulaient lutter, tu prends la terre, tu dis ça me brûle. Tu l'amènes dans une maison abandonnée. Oui, qui tape le premier. Et elle s'est dit, c'est mon grand frère. Elle est la première tape. Et l'autre fille aussi tape.
Non, papa, tu as oublié. Je t'ai dit que, papa, si tu vois que je la tape, tu l'es, je la tape. Nous, c'est papa. Mais si tu trouves qu'elle me tape, c'est pas nous, tu as dit oui. C'est où j'ai pris la terre. Et ça t'a donc donné l'assurance et tu as tapé la première. Oui. Et j'ai réfléchi que si je les laisse lutter en route, on va bien les séparer. Il y avait une vieille maison, je leur ai dit, ok, allons dans la vieille maison là. Elle me dit que si tu vois que je la tape, tu laisses, je continue le travail. J'ai dit sans problème. Mais si tu vois qu'elle me tape, hein, tu me rejoins, on la tape bien. J'ai dit, ah petite soeur, toi, est-ce que tu as besoin de me demander? Mais si tu tapes, je vais aussi la taper. Est-ce que je vais attendre qu'on te tape pour taper? Non, mais si c'est toi qui tapes, je la tape aussi. Et c'est au grand pourquoi. Elle dit, alors, c'est même elle qui nous pressait. Il dit dans mon cœur qu'aujourd'hui, je vais me venger de toi. Ouais, ok. Et de ta mère. Donc, quand la bagarre a commencé, on a porté ma petite, on l'a tournée comme l'autre bidon. Bim, par terre. La fille a commencé à la taper. Elle me dit, grand frère. Tu ne viens plus. Tu ne viens plus. J'ai dit que non. Je viens, j'arrive. Juste encore, bats encore. La fille tape. Elle crie que, mais tu avais dit, on s'était arrangé que si c'est moi qui tape, tu laisses. Mais comment tu laisses quand on me tape? J'ai dit, je ne suis pas en train de laisser. Persévère. Vas-y, j'arrive, je vais intervenir. On a bien tapé, je suis parti. Je l'ai laissé à deux dans la vieille maison là. Elle est rentrée, dit ça à sa mère. Donc moi, je pense que la famille, quand nous pensons aujourd'hui, toi, quand tu penses à tout ça, même ça te fait même quoi d'abord? Quand tu penses à toute l'enfance. J'ai l'émotion. Parce que je me dis, j'ai passé une enfance très merveilleuse. Non, c'était très chaud. Merveilleux, oui, c'était chaud. Les garçons. Mais il faut qu'ils te disent, hein. Papa, les garçons. Papa, lui, alors, c'était vice versa. Lui, alors, il avait un garçon qui avait peur. Saling Bati. Quand il voyait Saling Bati. Ah, Saling Bati. À Bagno. Quand il voit Saling Bati comme ça, non, c'était le rebelle de papa là-bas. Saling Bati. Quand il voit Saling Bati. Quand le nom de quelqu'un, Saling Bati, mon ami, toi-même. Un jour, c'était Noël. On allait faire le marché avec notre feu grande soeur. En route, papa a eu mal au ventre. Il courait pour aller se mettre à l'aise. Voilà, Saling Bati au tournant. Saling Bati, je dis que parle encore. Il me regarde, dit Aïcha. Parce qu'à l'époque, quand on l'attaquait, il dit va appeler maman ou va appeler Denise. La grande soeur. Comme il avait laissé que la fille m'a tapé, j'ai dit ok, moi, je vais rendre la pièce. C'est comme ça, donc voilà, Saling Bati. Il me dit. Aïcha, où va appeler Denise ou tu peux appeler maman? J'ai dit que je ne parle pas. Et pas, tu te rappelles, tu as fait, on m'a tapé jusqu'à nous. Donc c'est ton tour alors maintenant. Elle a refusé. Elle a refusé de partir. Elle m'a laissé là-bas. Voilà la grande soeur qui est arrivée. Quand Saling Bati a vu la grande soeur, c'est ça qui l'a sauvé. Saling Bati a fui, il a pris la course, il est parti. Donc elle m'a rendu l'appareil quoi. Mais aujourd'hui, nous sommes amis, nous sommes unis. On n'est pas seulement frères et sœurs, mais... On a compris, Dieu nous a donné la grâce, on n'est pas nombreux, on est cinq, on est resté deux et nous avons décidé l'unité dans une famille, c'est un choix. C'est un choix, donc toutes les familles qui sont divisées doivent comprendre que c'est un choix. Tant qu'il n'y a pas un cœur d'enfant, un cœur qui pardonne, un cœur qui tolère, un cœur de tolérance, comme elle a dit tout à l'heure. Là. Et la patience. Parce qu'il n'y a pas de famille sans problème. Ah oui, papa. Dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Voulons dire merci à maman, notre FBI. Parce que personne ne nous a suivis comme maman. Comme maman. Ah, pour elle, alors, si on sort son A1 ici, là, c'est mauvais. Ma mère surveillait nos faits et gestes. Même quand tu partais aux toilettes, maman te suivait. Maman te suivait. Tu sors seulement pour aller aux toilettes, elle est derrière. Parce que elle va voir l'enfant. Hein? Elle part par où? De quel côté? Parce qu'elle ne voulait pas qu'on s'associe aux mauvaises personnes. Elle ne voulait pas que nous rations nos vies. Elle a été notre père et notre mère en même temps. Donc nous disons merci à maman. Merci maman, nous t'aimons. Nous t'aimons maman, merci beaucoup. Oui, vraiment, tu es une femme, tu es la meilleure maman au monde. Tu es la plus grande maman. Nous nous souvenons de comment tu t'es battu pour nous, pour nous éduquer, comment tu as fait le commerce. Quand j'ai fait un coup moyen, comment tu as vendu tout ce que tu avais à la maison jusqu'au tapis. Parce que j'avais échoué pour aller voir le maître qui me fasse passer au coup moyen de... Oh, c'est de vraiment, maman. On a maman très patiente, hein? Ouais, très patiente. Ça... C'est une maman à cœur. Et aujourd'hui, elle est très patiente. Tu vois tes enfants, je pense qu'elle est fière de nous. Et
là, maman, et Dieu t'a béni avec de longs jours. Ah oui. Elle a vu ses enfants. Elle a vu les enfants de ses enfants. Elle a vu les enfants des enfants de ses enfants. Donc la troisième génération. Elle verra encore. Que encore Dieu te donne. Encore. Voilà. Alors comme a dit Talba. Au nom souverain de Jésus, encore et encore. Alors comme a dit Talba, le ni de ma Dieu. Amen. Amen. Ni de ma dada. Et maman, elle, maman, vous savez qu'avec son âge, elle a près de 80 ans déjà. Bon, elle a bientôt 80 ans. Mm-hmm. Mm? Maman, maman, elle rentre, elle nous dit que le docteur a dit. Le docteur a dit que tout ce que je vous demande, vous devez me donner. Il dit, mais maman, attends, est-ce que c'est le docteur qui commande nos poches? Regarde des prescriptions comme ça et puis tout le monde rit à la maison. Donc vraiment, nous célébrons toutes les mères, toutes les femmes qui un jour ont accouché, qui ont souffert pour leurs enfants. Yes. Et nous exhortons tous les enfants de célébrer leurs parents. Amen. Ton père, c'est ton père, ta mère, c'est ta mère. Tu ne comptes pas ce que tu donnes à ton parent. Ta priorité dans la vie doit être ton parent, ton père ou ta mère. Ça, c'est très important. C'est très important. Il faut comprendre cela. Et je bénis Dieu pour la mentalité qu'il nous a donnée. En ce qui concerne notre mère, je pense qu'elle est prise au soin aujourd'hui. On prend soin d'elle. Et je pense qu'elle ne regrette pas de d'avoir perdu 3 enfants et qu'il n'en soit resté que 2. Elle le dit souvent. Ouais, non, lui apportons. Elle dit souvent, elle dit, hé, mes enfants, 2 dépassent 10. Ouais. C'est ce qu'elle dit toujours. Mmh. Elle dit, merci Seigneur, 2 dépassent 10. Donc voilà. Nous vous aimons et nous vous souhaitons une très belle soirée. Et surtout, beaucoup de bonheur, chacun dans sa famille. Amen. L'unité dans vos familles. Amen. La santé dans vos familles. Amen. La longévité dans vos familles. Amen. Nous prions pour les parents, que Dieu vous donne longue vie. Amen. Pour voir vos enfants. Amen. Avoir des enfants jusqu'à la 4e, la 5e génération. Amen. Et nous exhortons les enfants à honorer leurs parents. Yes. Si Dieu t'a donné les moyens, vraiment pense à ton père et à ta mère. C'est une bénédiction énorme. Amen. Que Dieu bénisse. Bye. Bye.